J'ai deux filles. Et on est sœurs. Quand j'ai vu Alizé et Estelle revenir avec des étoiles dans les yeux, quand même, j'ai voulu participer à ce séjour. Pour moi, c'était assez important de le faire avec elle parce que c'est tout de suite rassurant d'avoir un proche avec soi sur qui on peut compter. Et puis comme ça, je savais que si j'avais des soucis ou quoi, je pouvais tout de suite compter sur elle. C'est vrai que toute l'année, on est chacun de son côté un petit peu, pris par ses occupations. Et puis là, du coup, ça nous permet de vivre à la fois une expérience et puis de la vivre ensemble surtout. Déjà avant que Louise n'arrive sur le site de l'Envol, je me suis dit waouh, c'était tellement carré, tellement bien préparé. Et puis après le séjour, elle est revenue enchantée. Voilà, donc du coup j'ai postulé. On avait envie d'être sur la même semaine, on a postulé pour la même semaine. Et voilà. Et moi pour ma première session, je trouve ça super sympa que mes deux filles soient là. Elles m'apportent beaucoup, bien qu'on vienne dans des domaines complètement différents. Et c'est bien. En termes de partage, c'est beaucoup plus enrichissant de vivre la session ensemble que de se la raconter après. Moi, je t'ai découvert différemment, quoi. Enfin, c'est une autre personne. Mais je pense que c'est des vraies personnes ici, quoi. On est vraiment ensemble. Ça permet de vivre les moments ensemble, de cristalliser des souvenirs communs. En fait, j'ai pu concrétiser un petit peu toutes les choses qu'ils m'ont racontées auparavant. C'est chouette de vivre ensemble. On se croise, on se fait des petits sourires, on se voit peu, hein. C'était sympa de pouvoir partager ça ensemble, parler de nos craintes, de nos envies pour cette semaine. C'est rigolo de pouvoir travailler ensemble. Alors au final on se croise pas tant que ça. Ouais, évidemment ça me fait plaisir qu'elle soit là et je pense inversement. Mais on vit quand même la session de manière assez indépendante. Et personnellement ça m'a aidé au début. Parce que forcément je connaissais personne, donc elle était là. On peut vivre chacune l'expérience de notre côté et puis après se retrouver pour se raconter comment s'est passée notre journée, etc. C'est pas mal. Au top, hein. Venez vivre l'Envol en famille, c'est trop chouette.